Bonsoir à tous et bienvenue sur Latinoa TV, la chaîne de l'info des Latinos ici à Paris, en France. Nous sommes ici donc à la Peña Saint-Germain pour la deuxième rencontre des lecteurs du magazine El Café Latino. Et nous sommes ici avec la représentante d'El Café, justement. Alors, il s'appelle comment ce café? Bonsoir, comment estás? Ça va? Comment estás? Bonjour tout le monde, hola también. Oui, alors les deux langues, hein, elle parle deux langues. Alors, comment tu t'appelles? Bonsoir. Je m'appelle Amelia Flores, suis péruvienne, origine du Chanchamayo. Waouh, Chanchamayo. Alors, c'est une ville donc du Pérou. Et donc, toi, tu fais du café? Alors, en fait, je suis la troisième génération du café du Pérou. Et c'est grand-père qui était producteur du café. C'est papa qui le suit, c'est moi qui ai mis le troisième pas. Et c'était une longue histoire parce que c'était une promesse à grand-père de ramener le café à l'autre bout du monde. Waouh! À la grâce de Dieu, je suis arrivée, je suis là. Je partage avec tout le monde. Donc, troisième génération du café de Chanchamaya, une belle ville. Chanchamayo. À Chanchamayo, directement donc du Pérou ici. Donc, alors c'est Finca La Campina. Alors voilà, donc ça c'est Finca La Campina, c'est la Campina. C'est la production de grand-père. Finca La Campina, c'est la production de grand-père. Grand-père, il m'a donné un héritage, donc je l'ai appelé en France café de papa. Le café de papa, d'accord, ça marche. Mais alors dis-nous, qu'est-ce qu'il a de particulier ton café? Déjà, qu'est-ce que c'est la production directement au consommateur? Voilà, donc là, on est en lien direct grâce donc au magazine El Café Latino, ici à Paris. Donc, on a l'occasion, vous avez l'occasion donc de pouvoir goûter ce café donc qui vient directement de ta région. Exactement. D'accord. Alors, dis-moi, où est-ce qu'on peut trouver ton café, tout simplement, si on veut l'acheter? En rue de Poteau, dans le 18e. C'est ma boutique, cette petite boutique que j'ai créée en annon du ciel de mon grand-père. Waouh, toute une histoire, toute une œuvre, voilà. Exactement. Donc, et dis-moi, qu'est-ce que tu en penses alors de cette soirée ici, ouais, pour fabuleux, la rencontre des lecteurs? Fabuleux, excellent. C'est, y a plein de magie, plein de contacts, énergie latino, c'est magnifique. Bah, je remercie à Café Latino pour partager café déjà latino, que ça fait partie de mon origine, quoi. Super, oui, on voudrait remercier donc Marcelo, directeur donc du café, du magazine, pardon, El Café Latino ici à Paris. Muchas gracias, merci beaucoup donc pour cette délicieuse. Le plaisir est le mien. Et juste pour terminer, est-ce que tu pourrais donner donc ton adresse Facebook si les gens veulent te contacter? Alors, si quelqu'un veut me contacter, vous contactez dans la page Facebook Café de Papa. C'est moi. Et sinon, Mimi Flores, c'est directement moi, perso. Mimi Flores. Voilà, Mimi Flores, voilà. Muchas gracias. Merci de beaucoup. De nada. Ciao. Merci.